À mon avis, ce qui bloque le plus, c'est la différence, même si elle se réduit aujourd'hui, entre les perspectives d'accélération de carrière dans un environnement occidental et la lourdeur d'un système qui est doublement confucéen, si j'ose dire, en Chine, et qui demeure. C'est-à-dire qu'en Chine, il ne faut pas oublier que vous êtes un dirigeant important quand vous êtes au parti, et que toutes les boîtes, même privées, si elles n'ont pas été fondées par des membres du parti, en fait, intègrent des membres du parti, parce que le fondateur, s'y réussit, on l'invite à rejoindre le parti. Et donc, si vous êtes parti 5, 6, 10 ans, forcément, vous n'êtes rien dans le parti. Et donc, malgré tout, vous allez avoir un problème. Donc ça c'est réel. Donc ça, c'est un frein. Donc doublement confucéen, le premier confucéen, c'est le parti qui prend l'héritage de la pyramide. Et puis le deuxième, c'est que on est quand même dans une société où, sauf justement dans un univers nouveau, start-up, on va dire pour caricaturer, la confiance faite aux jeunes est limitée. Il faut passer par un certain nombre de validations des anciens. Et puis aussi, le fait que, pour donner une image, l'enfant unique est parti 5-6 ans avec une certaine mauvaise conscience vis-à-vis de ses parents, va revenir en Chine, va retomber sous la coupe de ses parents, qui eux sont d'une autre génération, qui sont sur un modèle peut-être moderne, mais quand même moins moderne que chez nous, et vont le réacclimater, si j'ose dire, et le remettre dans une société qui a marginalement changé. Il y a un aspect de la société chinoise qui est très plat, où les générations se comportent toutes de la même façon, où tout le monde est sur Internet, où tout le monde consomme de la même façon, mais il y a aussi un aspect derrière les portes fermées du foyer ou de la famille 4-2-1 avec les grands-parents qui fonctionne de façon assez traditionnelle. Donc ça, c'est un frein aussi. Le jeune returnee va avoir du mal. Après, il n'y a pas que des incompatibilités, il n'y a pas que des impossibilités de mélanger les deux genres. Ce que me disent en particulier des Occidentaux qui travaillent avec des Chinois, c'est que la capacité d'apprentissage est colossale. Enfin, j'ai pu constater aussi. On intègre un jeune hiree et il apprend très très vite ce qu'on... Mais ensuite, quand on le lâche, quand on lui dit « Allez, à toi de jouer », il va toujours revenir vers le référent, y compris occidental.